Salut à tous et bienvenue sur la Spark TGM TV. Comment allez-vous les fous? Oui, je sais, j'ai une moustache. C'est bon, on n'en parle plus. Parce que les gens vont dire, oui, voilà, machin, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, je me suis juste rasé, voilà, à la tête et je me suis dit, ouais, je vais raser le bas en dessous et je vais laisser sur ça. Voilà. Comme ça, vous le savez. Comment allez-vous? Bonjour à YouTube. Cette vidéo doit normalement être en rediffusion, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bonjour à YouTube. J'ai pas perdu de pari, non, j'ai fait ça consciemment. Voilà. Patrick Lombardi, salut Noobest, comment ça va? J'espère que, en tout cas, vous avez autant la forme que moi, choquant ton rasage. C'est fou, hein, vous m'avez déjà vu comme ça, hein, c'est pas la première fois, l'été, pas l'été qui vient de passer, l'été d'avant, j'avais fait la même chose et personne n'avait rien dit, quoi. J'ai vu le moustache sur la vidéo d'hier, tu vois, ben, merci beaucoup, voilà. Oh, c'est top, je sais pas si ça restera, mais vous n'êtes à l'abri de rien, en tout cas, sachez-le. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour ce dernier live? Bah, déjà, c'est émouvant. Franchement, de ce dernier live sur la Spark TV, même si finalement, quand on prend du recul, on se dit bah c'est juste une continuité, je vais continuer à streamer de la même façon, etc. Mais là, le fait que ce soit le dernier sur la Spark TV, ça fait un peu quelque chose quoi. Il a fait exprès pour une soirée fun, mode chambrage activé. C'est normal que t'aies pas la moustache fournie partout pareil. Bah, ça doit être. Bah, je sais pas, c'est mon corps. Bref, passons sur cette moustache. Je vous propose de jouer en standard 2020. Si comme moi, vous ne le saviez pas, vous l'avez découvert en jeu, sachez qu'il y a ce mode-là, standard 2020 avec classement, mais là il y a tellement de modes, c'est genre enfin, pas incompréhensible, mais c'est compliqué. Et ils ont beaucoup annoncé ça, mais j'ai pas vu de news concernant ça. En fait, c'est la même chose, c'est le même événement, gagner 200 XP, sauf que ça compte pour le ladder. Donc si comme moi, vous avez envie d'avoir un petit classement ladder qui vous permet de débloquer les récompenses. De toute façon, je ne ferai pas top 1000 ce mois-ci. Bah, ça peut être très intéressant de faire plutôt en ladder, ce que je vais faire. Si jamais vous voulez qu'on se rosse un petit peu tout à l'heure, ce sera avec plaisir. Sinon, bah, je ferai juste un petit peu de ladder. J'ai des decks sympas et j'en ai d'autres que j'ai pas importés encore, mais que j'ai repéré tout à l'heure. Là, je vais vous montrer celui avec lequel je vais démarrer. Voilà, j'ai trop de. On va faire un peu de ménage là. Okay, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça peut dégager aussi. Ça dégage. Ça et ça, on le garde parce que c'est rigolo. Ça peut dégager. Ça dégage. Ça aussi. Voilà, il y a quand même des decks à enlever, quoi. Là, il faut que j'en ai un des deux, je vais enlever celui-là, en espérant que ce soit le bon que je garde. Ça peut dégager. Voilà. Fait du propre. Voilà le deck par lequel je vais commencer, qui j'ai testé un peu, est très sympa à jouer. Je suis pas un winrate énorme, je dois avoir 50-60% là actuellement, sur le peu de game que j'ai fait. Mais franchement, c'est très très cool. Normalement, la liste de base joue 3 cavaliers de la nuit. Moi, j'en avais pas. Donc, j'ai mis 2 cavaliers de l'aube. Mais ça reste un chevalier qui fait quand même un effet très cool. Et mine de rien, en plus, c'est mardu. Le fait de devoir sacrifier un truc, des fois, c'est un peu chiant. Alors que là, ça donne une 3-3, mais vous n'avez pas besoin de sacrifier. Donc, ça peut être intéressant. En plus, que ça gère un pair maintenant. Donc, en vrai, pour l'instant, je suis pas déçu de ne pas en avoir 3 comme ça, quoi. Voilà. Je vous laisse un peu admirer cette déclisse. Pas de side, bien évidemment. Je crois que vous voyez tous les lands là. Ouais. Si vous voulez prendre un screen, etc. Hop, j'enlève mon coude. Oui, Jaffaël, je compte emprunter cette Ferrari. Je regarde un petit peu le chat, hein, bien entendu, pendant que vous admirez cette déclisse superbe. Rossonnons dans les bois. Ah ben, si vous voulez, on se rossera tout à l'heure. Allez, on est parti pour ce petit mode sympathique. On est parti. On va voir si ça donne des bonnes choses. Pas de Nexus spécial dédicace PL. C'est-à-dire. Pas sûr que ça vaille le coup de nous lire. Si, ça vaut toujours le coup de lire le chat. Ça vaut pas forcément le coup de relever ce que vous dites, mais ça vaut toujours le coup de lire. Belzy.
J'ai l'impression que cette main, c'est une fausse bonne idée. Ah, je mulligan. C'est mieux. Je vais enlever ça. Je vais bien affronter ton leash avec mon Sultai, Vasdimir, Splash Bola, Singulton. Écoute, ça pourrait être le match d'une vie, donc pourquoi pas. On va mettre la pression tout de suite. Bim. On peut déplacer un petit peu ce texte d'ailleurs. Mettre un peu par là, peut-être le diminuer un petit peu. Voilà. J'étais sûr que l'énoncé du deck te ferait plaisir. En même temps, tu m'annonces Sultai, Basdimir, Splash Bola, Singleton. Forcément, tu me fais un peu rêver. Je vais juste attaquer là. Ah yes, j'espérais qu'il bloque pas. Pour pouvoir remettre un marqueur sur mon chevalier. Ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Dommage que les tokens soient pas chevaliers. En même temps, ce serait un peu pété sinon. La chevaliérisation du Mardu. La cancérisation du ladder. Choc, ok. Il va attaquer, il va choc l'avant-garde. Ça va peut-être le coup de tribunal du coup ça. Yo Natal Rital, ça va très bien et toi? Il l'a pas fait, ben je bloque pas du coup. Je pense qu'il doit avoir plus 1 plus 0. La machine, la lecture du jeu adverse. Pense qu'il a été vraiment trop grid. Là, tribunal, ça me dérange pas de pas attaquer avec ça. Mais pas attaquer avec ça, c'est vraiment gênant parce que du coup, je crée pas le token. Je perds de la value. Donc autant attaquer avec tout et pas tribunal, tant pis. Ça va me permettre de mettre un marqueur en plus sur le chevalier. S'il ne me tue pas en fin de tour. Ce qu'il ne fait pas, très bien. Mardu Knight, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les alliances de couleurs rouge, blanc et noir. Donc très cool. Avec un thème chevalier. Le classico. Ah bah ça va être bien exilé par contre. Sauf s'il pose un mana blanc. Évidemment. Oui, il faut que ton deck soit standard 2020, Jean-Mich. Ah, ok. Ah, je sais pas, Natal Lorital. Hein. Question, je réponds au basique. Bonsoir, Max Boyman. Tu l'avant-garde. Il peut bloquer et protéger plume. Parfait. Il va donner la protection contre le noir. Et moi je vais pouvoir l'exiler. Pépouze. Si je pose ça, que je pose un land, non. J'ai pas assez malheureusement. Voilà, ça dégage. Ça me fait plaisir. Bon, il récupère quand même sa grâce des dieux, mais il a plus sa plume, et ça c'est le principal.
Ah, il est marrant ce chat. Crinco. Crinco, crinco, il y a de la merde dans les tuyaux. Il peut attaquer, piocher une carte, mettre 2 points, ouais. C'est pas ouf. Salut Yoshihigo. Alors on va faire une petite phase d'attaque. Il peut bloquer, donner la protection. Ok. Ça. Ça, je trouve que c'est plus intéressant que icône de l'ascendance, puisque si je peux pas me servir en fait le tour où je le pose de la capa pour aller regarder les cartes, ça va être plus intéressant de mettre ça. Ça mettra plus de points déjà. Ça mettra 3 points de plus potentiellement au lieu d'un. Et en plus, vu qu'il a des anti-bêtes, avoir un faucheur de minuit assez rapidement, enfin dès que je peux, on va dire, sur le board, ça va enlever entre guillemets la value de ses anti-bêtes, enfin ça va la diminuer. Salut Yannock! Ah, vous avez vu ce que je peux faire avec cette nouvelle chaise, c'est formidable. Incroyable. Encore là, c'est 1% de ce que je peux faire. Il est un peu frileux là. Il va jouer sur Krenko. Ah non, ça se résout avant qu'il puisse jouer ça. Ça, c'est un peu con. Ou alors il s'est trompé dans les triggers. Ah, tu as dû recevoir du coup. Yannick, ça me fait plaisir. Est-ce que je. Ouais, je trade, je crois, en fait, tous les jours. Le t-shirt nous dit GX83. Est-ce que tu parles de ça? Ou pas du tout? Mon tour, ok. Là, on peut. Icône de l'ascendance. Chevalier. Instigateur. Inspirateur, pardon. On n'est pas dingue, là. Pourquoi Plume, ça top deck genre comme un porc? Franchement, enfin, si c'est un deck top tier de la méta qui arrive, là je rejoue en janvier, hein, je vous le dis, hein, c'est horrible, je crois. Après, avec une extension comme Eldraine, j'espère que les choses vont changer, hein, mais franchement, Plume. Il va pouvoir rejouer ça ou ça, ok. Par contre, Izzet Fenix, si ça revient, c'est un deck que j'aime énormément. Genre vraiment. Pourtant, c'est un peu le même genre de stratégie, entre guillemets. Avoir peu de menaces. Bon, là, il en a 1000, hein, mais. À la base, c'est avoir peu de menaces, mais assez récursive. Genre les Fenix qui amènent tout le temps, ou alors Plume qui permet de faire de la value et de se protéger à l'infini. Ou les arcanistes qui font un peu la même chose. Mais H Plume, je trouve ça gras, je trouve ça un peu. Vous voyez? Alors que Phoenix, il y avait un côté. Je joue des petits spells et d'un coup, hop là, tiens, je sors des Phoenix des autos de ces bois et je te mets une petite sauce. Une 4-3. Bah, je vais essayer de bloquer ça et ça. S'il me tue là, GG. Il manque quand même 4 points, hein, c'est beaucoup. On aurait pu tuer une 1-1 en fait, plutôt que de bloquer ça. Ok, on n'est pas frais.
pas. Eh non, ça va pas. Hein. Ouais, mais en fait, quand on a découvert Plume, c'était trop cool. Genre Mugant, genre, ouais, on fait plein de magie et tout, Valio. Mais maintenant, la découverte est toujours cool. Alors, quand j'ai découvert Nexus, j'étais en mode, waouh! Alors que 2 semaines après, j'étais genre, oh, Nexus, quoi. Je crois qu'on a perdu, puisque je dois bloquer ça. Alors, comme ça. Je bloque ça, je bloque ça. On prend 1, 2, 3. On a peut-être pas perdu. Va pas gagner en tout cas. Pour un noir, je regarde ta main, je t'enlève n'importe quelle carte de mon terrain. Si c'est une carte noire, tu exiles une carte de ta main. Ouais, c'est plus une carte de side ça, mais effectivement ça a l'air fort. Hein, ce que tu dis, j'ai pas vu la carte natale. Faut que j'ai perdu parce que si je bloque là. Celle-ci. Ah, de toute façon, il va rendre un blocage Gédéon. Ouais, donc j'ai perdu. Yes, ouais, je me doutais de toute façon. Eh bien, il est bien ce deck, hein. J'en retente une et sinon je changerai. Katis, Selenia est sympa. Ils ont réédité Opt? Ben voilà, on l'avait dit dans la vidéo, Phoenix, ils réédite Opt, deck rotation proof. Je vais voir ça sur le côté. Comment que ça s'appelle? Stray. Stroheim. Opt, eh ben elle est là, c'est bien. Est-ce qu'il y a des spoilers intéressants? Ça a l'air sympa, Into the Story. Le spell qui fait draw. Ah, j'aurais pu jouer Cavalier, c'était peut-être mieux. Je suis con. Est-ce que j'étais en train de regarder les spoilers? Jacques pense que Phoenix est mort à cause de la disparition de Tormenting Void, cette short course. Ah, il sera moins explosif, parce qu'en même temps, ça fait. On l'a vu pendant quasiment un an, on l'a vu pendant 9 mois, Phoenix. Mais. Je pense que ce sera toujours un deck jouable, après il sera peut-être pas tier 1 quoi du coup. Ah, on a plein de trucs comme ça. Est-ce que j'ai envie de mettre 3-3 fly qui peuvent pas bloquer? Alors, je crois que j'ai plutôt envie de faire ça. Il va pas bloquer lui. Hein. Pas trop ému pour ton dernier live? Quand même un peu, mais. Je le disais en début de stream, à la fois je suis ému et à la fois on va continuer. Lundi c'est le Rosmo si tu peux, jeudi prochain je serai en live. J'espère d'ailleurs assez rapidement voir si je peux vous rajouter un stream en plus par semaine. Je suis pas sûr encore. Mais j'aimerais beaucoup. C'est bien ça. En tête à chat une fois par semaine. Ouais. C'est sûr, mais avec les annonces là, donc on ne pouvait pas vous parler, mais enfin on pouvait pas. On vous teasait un petit peu quoi. Les annonces que vous avez pu voir sur la chaîne YouTube lundi. Vous vous doutez que si on veut faire plus de vidéos, plus de contenu, etc., bah, il a fallu couper. Et là où Val n'a pas de montage à faire.
et son rôle de CM en fait, entre guillemets, de la chaîne, il peut beaucoup plus le faire l'éparpiller dans le temps. Moi, le montage, c'est plutôt quelque chose que j'ai tendance à faire en bloc et qui me prend beaucoup plus de temps d'affilée. Donc, c'est sûr qu'il fallait à un moment donné faire un choix et bah, c'est un de mes streams solo du coup qui a dû être mis de côté. Là, je peux attaquer. Je vais mettre deux bêtes, je crois. Déjà. Il est obligé de faire des doubles blocs, donc je peux attaquer avec tout, je crois. Est-ce que ça doit bloquer à deux, ça? J'aurais pas dû poser ça en main phase 1 en fait, vu que j'avais ça dans la main. Parce que je me suis tellement dit, ça je le joue au tour prochain et je finis, que je me suis dit que je pouvais jouer ça, mais non. Erreur d'optimisation. S'il me fait rallier off-wing, j'ai perdu. En même temps, mes 3-3 peuvent pas bloquer, donc ça sert à rien de les garder en défense. Il a vu qu'il bloque, à mon avis, c'est qu'il l'a pas. Très bien. Bonsoir Kevin FM. Sephara? Pas Sephara. Il va prendre au moins 3. Et perdre 4 bêtes, ça va? Ah, il perd que 3 bêtes finalement. Il en garde 4 pour casser ses phares, je suppose. Il a bien fait. Est-ce qu'il top deck ou pas? Oh, il a encore le mana. Ce serait incroyable. Ça ne l'est pas, dommage. Bien joué. Il pouvait encore tempo peut-être. Non, je crois pas. Oui, on. Oh, cosmétique, très beau ça. Si vous saviez comme je m'en carre le cul de ce Omnixilis. Je pense que Blanc-Bleu Fly d'ailleurs, ça va être un deck sympa à la rotation. Ah, il sera encore jouable à mon avis. Après sympa, je... peut-être le mot est fort, hein, mais... Je crois que j'ai pas envie d'avoir ça. Je préfère ça. On va enlever la carte qu'on peut pas jouer. Là, je vais curver tour de Into Gideon, c'est pas mal. Sympa pour toi, ouais. C'est ça. Est-ce que le texte serait mieux sur le côté comme ça? Eh ben Gideon. Ah, ben on top deck le land pour jouer la carte qu'on a bottom. C'est un peu dommage. C'est pas très grave. Comment avec un mulligan et une duresse on annihile quelqu'un? Après il joue des duresses main deck, il est vraiment très très méchant lui. Ah, pas rien à prendre Coco. On va plutôt jouer Faucheur de minuit. Le prochain on pourra faire Altération du destin. Je reprends ça, je le joue. Ouais, c'est obligé d'enlever le land. Ah bah parfait. Hop là. On prend ça. Land, on joue ça. Et on aura encore une bête à jouer après. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit mardu knight là, actuellement? Sachant qu'il y a des très bons chevaliers qui vont s'ajouter à ça. Et il pouvait pas enlever la 2-2 vol, c'était une duresse. De la légion, ok.
Il a l'air de jouer des fausses, donc je pense que je vais pas jouer ça encore. Donc j'ai les cartes actives. Ok, on va piocher une carte. Très bien. Je pense qu'en historique, ouais, Mardu Knight, ça va être un truc qui tabasse. Hein. Laquelle je préfère perdre? Je crois que je préfère mettre du board quand même. Hein. Très bien. Très bien. Cuillère. Le bruit de l'icône de l'ascendance, espèce d'église, ça me fait plus penser à une alarme incendie, un truc comme ça. Ah, je pourrais reprendre ma 3-2. Ouais, je crois que je vais faire ça. Bon, Highwire, ça se passe pas trop bien, son plan de jeu. Ouais, je vais reprendre ma 3-2. Et je vais jouer ça. Je le suis en draw 2. Tranquillou. Alors, on va pouvoir jouer Gideon et Ordre de Minuit. Instructif, monsieur, on s'en fout un peu. Et là, il a une créature et un Planeswalker à gérer. Ouais, ça ne fait pas le taf. Bien joué. J'ai refait une belle main, ouais. Bah, j'ai eu de quoi un peu piocher, etc. Et puis, il était dans le jeu 1 pour 1, donc forcément, le tour où il. Ah, bah, je peux pas gérer, bah. Je peux reprendre l'avantage, quoi. Ouais. On va continuer à jouer un peu ce deck, là. Ça me fait plaisir, ça. Et c'est pas ça. Voilà. Il y a tellement de modes maintenant, on s'y perd. J'espère qu'ils vont faire un peu le ménage pour la prochaine mise à jour, parce que sinon compliqué pour les nouveaux joueurs. Il marche pas mal, ouais. Après, il y a des decks qui nous cassent un peu en deux, mais quand tu fais une sortie avec tour 1, tour 2, tour 3, franchement, ça, il se passe des trucs, hein. Avec le nouveau land, ouais, un Treeland Knight qui fait plaise. Plus l'équipement rouge, à mon avis, qui pourrait être joué dans le Knight, là. Qui a l'air très bien. Okay, on n'a pas de tour 1, mais c'est pas grave. On aura un tour 1 supplémentaire qui est très bon dans Knight. C'est une 2-1 pour 1. Quand elle meurt, elle met un marqueur +1/+1 sur un chevalier. Donc, trop fort. Enfin, dans l'optique aggro, hein. Chevalier, c'est très bien. C'est la moustache qui fait ça, exactement. N'inquiétez pas, j'ai compris le message. Vous avez un problème avec ma moustache. J'en ai déjà un. Salut Quantique. Le moral ça va, hein, forcément c'était un peu lourd à annoncer, mais comme on l'a dit, en fait c'est Vegeta. Comme on l'a annoncé à maintes reprises maintenant en vidéo, en stream, sur les réseaux sociaux, etc. Ben, je vais jouer quoi là? Il faut que je joue ça. En fait, on continue. Ça ne nous stoppe en rien. C'est juste qu'au lieu d'être sur Spark TV, on est sur notre chaîne comme on faisait au début. Comme quand on s'est lancé, comme quand on a évolué, etc. Donc à ce niveau-là, bah, ça change rien. C'est juste que c'était un beau projet et c'est dommage que ça doive s'arrêter. Mais c'est la vie, comme disent les Anglais. Là, je crois qu'icône d'ascendant, c'est sympa. Pour curver à fond. Ou alors je fais temple et ça. Ouais, temple et ça c'est encore mieux. Ah, il a un petit mystique à jabot, je vais checker. Ouais, s'il peut répondre à mon temple, c'est que oui. Je vais garder ça. Ah, en vrai, je peux pas ne rien faire.
Ouais, j'attaque parce que je me crée pas avec. Ça sert à rien. Nairi dans Mardu Knight équipe. Je crois que ça fait un truc pas mal, Nairi, sur les équipements. Salut Azur. Team Moustache, merci Manuel Heisenberg. Bientôt payer le Moustachio, bah, ce sera avec plaisir, puisque si vous avez suivi les annonces, la Magic Seychic ne retourne pas sur leur chaîne. Ils ne font entre guillemets qu'un stream par semaine, du coup ils nous ont. Ah, on s'est un peu proposé mutuellement en fait, c'est venu assez naturellement dans la discussion en off que. Qui viennent streamer sur la chaîne Valet PL et du coup c'est cool pour tout le monde je pense. Là il va falloir que je gère Sanissa absolument. Sinon on va se faire tuer bien trop vite. À partir de vendredi 19h, comme c'est écrit là-bas. Hop. L'addon de NLG. Demain soir, du coup. Primo vol, first strike. Et l'équipe. Enfin, c'est quoi la ligne sur l'équipement? C'est les équipements coûtent un de moins, un truc comme ça? C'est Kawa à 19h? Il va faire un stream supplémentaire? Moins 1 pour équipe, ouais, ça peut être pas mal, un hein, Nairi. Après, il faut que ça vaille le coup, parce qu'un Planeswalker à 4, qui n'a pas de plus. Il a dit qu'il ferait un stream en plus. Ok, ça marche. Ah bah on est à 1 là, quand même, c'est pas beaucoup, hein, 1. Je peux mettre 2 créas qui bloquent pas. Eh bah j'ai perdu. Bien joué, Trifleaves, comme quoi, Bantrampe, hein, c'est quand même mieux que tout. Alors, on va changer un petit peu. On va faire un peu de ça, parce que même si le deck est pas incroyable, j'adore le gameplay. Mieux que tout. Ah, tu vas être déçu de la vidéo de lundi, alors, Tachou. Mash. C'est couleur noble quand même, Bante. Même si là elles sont un petit peu salies. C'est pas la chevalerie qu'on lui a connue, mais. Six pieds. Moi j'aime bien. Voilà, c'est bien ça. Alors c'est un Abzan Skatis Token. Hop là, le petit temple d'abord. Souris, non, on n'en veut pas, on veut autre chose là. Ah, je comprends, Achouma. T'es plus expert, toi, de ce que je comprends. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu, au fait? Parce que là, le son vient de mon casque. Enfin. Ça prend le son du casque, donc logiquement, pour moi, il est bien au niveau du son. Donc ça doit être pareil pour vous. Je demande au cas où. Le son est bon. Ça fait plaisir, ça. Esper, Grixis, Dimir. Ah ouais, il y a quand même une base noir-bleu et on met une couleur pour rigoler, quoi. Au pire, June. Ah, June, j'adore ces couleurs. Cette alliance de couleurs. On peut faire un Mortify, ce qui va être. Ce qui va être bien. On l'a même deux. Pas l'attaque. On va le faire là-dessus. Ça m'étonnerait qu'il mette. Enfin, qu'il ait un spell pour rendre indestructible en éphémère.
En tout cas, il va jouer quelque chose avant. Il joue rien, soit. Il a un spell. Ok. On va pouvoir faire un Adjani ton prochain. Qui mourra rapidement. Sous les coups de millions de tokens. On va juste ramper vers. Enfin, ramper. Poser un land tous les tours et mettre des gros trucs comme Oketra. Il est très très fort quand même, mon Landarcer. Hein, parce que me faire deux Loxodon. Tour 4 et tour 5. Quand même fort. Hein. Le tour 3 et tour 4, pardon. J'ai ça pour avoir des bodies pour un trade, mais bon. Je vais quand même prendre extrêmement cher. J'ose espérer qu'il va juste aller taper la Jenny. Combien de cartes? 11 cartes pour faire ça. Wow. Wow. Ah, c'est vrai que si t'es dans une optique de pas réfléchir, Miguel Velu, Winnie White, c'est parfait. J'aimerais quand même voir des nouveaux decks à la rotation. Ok, donc ce Jhany nous fait économiser quand même beaucoup de points de vie. Il nous permet de faire un double trade. Enfin, de prendre deux bêtes. Prendre une bête et de faire un trade. On va quand même prendre 7, hein, on n'est pas content, mais on n'a pas trop le choix. Ils ont le lien de vie, les tokens de marche. Ils ont le lien de vie. Je peux en faire 3. Je passerai à 4, mais je bloque 3 trucs. J'en ai un quatrième avec ça. Donc je peux bloquer 4 trucs. Je repasse à 7. Et je prends 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis pas mort si je fais ça. J'aurais pu attaquer, mais je me dis sur le manque de bol, il a juste un petit trick. S'il me tue l'héroïne, et je suis en PLS. Ah non, je vais pas pouvoir bloquer avec l'héroïne parce que je vais l'engager. Donc je vais. Ah ok. Je crois que c'est pile les deux tokens qui me tuent. Puisque là on va faire 1, 2, 3, 4 tokens. On bloque ça, 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 ça. On prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous on va repasser à... On en repasse à 7. C'est bon, on est à un point de vie. C'est pas glorieux, hein, mais ça se fait. Crée un token, crée trois autres. Là, là, là. On a une Vraas jouable au prochain tour, mais... Enfin, jouable. On a une race dans le pack, mais je crois qu'on pourra pas jouer au prochain tour. Est-ce que Trost Sani ça suffit? Je crois pas. Je tente quand même. J'ai gagné quand même 4 points de vie. Bon, je repasse à 5. Je peux bloquer 1, 2, 3, 4, 5 créatures. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, et je prends. Ah, je crois qu'il est tout pile. Il me met 5 et je suis à 5. Ah, il y a un tribunal du conclave en plus. Bien joué.
Ah, vous avez vu, c'est un deck qui a un an qui m'a battu. Faut jouer Officiant T3 de race, eh ouais. Ça suffit rien du tout. Dommage, putain, ce petit Kétis là, j'aime beaucoup. Hop là. Compliqué à monter le ladder hein, dans ce format-là. Déjà compliqué d'avoir deux wins d'affilée. Ouais, c'est un Kétis Shellinia Token. Donc on a une base héroïne, etc. Parce qu'on a plein de spells multicolores. Et on a Kétis qui permet d'avoir pas mal de payoff qui coûte 5 normalement, qui coûte 4. Donc on peut faire des Oketra, des Bontu, Nissa au tour 4. Et ça fait toujours plaisir. J'aurais pu jouer ça si je voulais pas payer 2 points de vie. C'est un luxe que je peux me permettre. Grosse spirale. Land et on va voir ce qu'il joue. Salut Yen, ça va très bien et toi? Il fait rien, ça me va. Hein. Kétis, ok. J'ai pas l'impression que je vais avoir beaucoup de cibles à Mortify. Ok. Et quand même à 13 avec 4 créatures sur le board en face. Ok, bah ça se mortifie bien. Hein. Ah, j'ai plutôt trophée de l'assassin. Ah, je peux pas revivre si je fais ça. Donc non, je vais mortifier. Tranquille. J'aurais pu générer des tokens, mais je pense qu'il a des sweepers, du coup ça sert pas à grand chose. Et fin de tour. Alors Quartz. Reboisement, ok. S'il me tue pas dans le tour, je pense que je suis pas trop mal. Ouais, c'est un peu chiant ça, son drop, je suis d'accord. Ils auraient pu faire un espèce d'event infini, mais peut-être que c'était compliqué à coder. Mais il faut gagner. Allez, allez. On y croit. Alors, il y a combien de mana disponible là? 7, 8 et 3, 11. Qu'est-ce qu'il peut faire pour 11? Il peut piocher 7, me mettre 7. Ok.
phase d'attaque. Arrondi au supérieur. Donc ça veut dire que si j'utilise sabre 6 et qu'il est à 1, il est mort. Sachant que j'ai déjà 6 mana. Oui, je le tue pas dans le tour, mais. Du coup, je peux le tuer avec ça, ton prochain. Donc, on va jouer ça. On va payer 2 points de vie, tiens, on pourra faire une marge de la multitude même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X 2, 16, donc il me tue pas. S'il trouve un land, il a 18 mana, donc 14 points de dégâts. Ah, s'il en trouve une deuxième, c'est plus compliqué. Salut Gotharn, comment vas-tu? Et salut Manulator, je ne t'avais point vu. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, il a toujours 18 mana. Ils vont faire des choses. On a fait une vidéo à ce sujet, Gotharn, si tu souhaites aller voir. Balayage de flammes, ok. Chiant. Le mec est en PLS un peu là. Putain, si c'était un instant, ce serait trop fort. Voilà, ce serait vraiment trop fort. Apparemment, j'ai pas internet, c'est un peu dommage ça. Oula, plein de messages. Effectivement, j'ai un problème d'internet. Excusez-moi. Eh bien, j'ai perdu. Bien joué. Je vais me faire éclater par n'importe quel deck, en fait. On va jouer Meule, vous allez voir. Je sais pas si c'est possible de jouer Meule. On va essayer. Allez, s'il te plaît. Meule liche. Désolé pour les bruits de marteau si vous les entendez, les voisins sont dit qu'à 18h50 c'était le bon moment. Je peux faire un token. S'il me tue pas là, même si tu Katie, je peux faire un token pour lui mettre un point. Enfin pour faire revif sur lui, enfin rétorsion. Lui mettre un point puisqu'il sera un point de vie et gagné. Ils ont le marteau plus 6 plus 10. Là, ça sent quand même le cucu. Hein. Il en a joué combien? Il a joué une, deux. Ouais,
Franchement, si les deux dernières sont là-dedans, c'est vraiment pas de chance. Pas le droit d'Ekmeul? Comment ça, j'ai pas le droit sans défaire? Tu vas voir si j'ai pas le droit. Ok. Ah, je préfère meuler l'adversaire, Wulsor, mais c'est sympa. Enfin, de toute façon, il y aura un Jace hein, dans ma liste, hein, dans tous les cas. Bah, il a du mana, hein. Actuellement 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Allô? Ah, en vrai, le play, je crois que c'était doubler mes points de vie. Ça le tuait pas, mais Mais j'étais mort, donc ça changeait rien. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Voilà, c'est juste pour rigoler. Le mec me contre même ça. C'est bon. On s'en va. Prends ton manteau, chéri, on s'en va. Eh ben, ils sont bien mes decks, hein. 100% winrate, voilà. Est-ce que la majorité des cartes persiste? Ah, on perd ça. Ça, on peut jouer, ça, on peut jouer. Ah, on doit pouvoir faire un truc. On va le copier déjà. Mickey. Alors, ça pas bon. Ça pas bon. Ça pas bon. Ça pas bon. Tout le reste, on est bon. Il faut enlever bien évidemment tout ce qui est pas legal dans le side. Ok. J'ai rajouté un cri. Une perspicacité du chimiste, un lien de perspicacité. Est-ce qu'il y a des trucs qui meulent que j'aurais pas par hasard? Et je mets 6 pétitionnaires. Bien vu ça. Y a de la meule en M20, me dit-on à l'oreille. Quelle est-elle? Après, si c'est une 3-3 pour 7 qui fait meuler 2, ça m'intéresse pas, quoi. Que ce soit un truc solide. Ah, arrivée des dieux éternels, ça meule, effectivement. Bah, je peux le mettre. Dans le deck, je vais en mettre deux. Attendez, je regarde juste là, ensuite j'en mets deux. Et j'ai un contre qui meule 3. On va mettre 4 contre et 2 arrivées, voilà. Simple. Et par contre, on va mettre des portes en plus. Évidemment. Et démarrer. Il manque une carte. 5 et 5, 10 et 4. Oula, mais ils ont plein de landes. 18 landes, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Terrains. Qu'est-ce qu'on a le plus? Du bleu, ouais. On a 23, hop là, on passe à 24. Très bien. Faut enlever 5 cartes en fait.
On va enlever ça. La perspicacité. Une arrivée DJ, on peut cut. Ouais, ça encore en fait. Ok. Fondement dépensé, c'est allégé en souhait. Allez, faut pas faire un deck que avec des cartes M20. Habitant du rang du sage, il faut jouer des créatures et j'en joue peu. Donc c'est moins intéressant. Est-ce que Mule Proof peut gagner dans cet événement? Rien n'est moins sûr, la réponse tout de suite. La créa qui miaule. Je stream jusqu'à 20h30 et après moi ce sera Kawa, il me semble. Ok, très bien. On a des beaux landes, c'est le principal. Jolo never forget. Petit câble qui est désagréable là, du micro. Voilà. À plus tard, Natchoum. Eh ben écoute, à lundi pour ma part, sur un petit rose-moi si tu peux, à partir de 20h, encore des cadeaux à gagner. Oh là là, je suis dégueulasse. Ben, Juno va très très bien depuis qu'elle est retournée dans son habitat de prédilection. J'ai pas envie qu'il fasse chemin sinueux, donc je vais encore effacement dépenser. Ouais, on va chercher un peu loin là, je crois, Sigriff. Ouais, ça, il le fera une fois. Pardonnez, pour gérer mon voleur de sanité. Et il le fera plus ensuite. Évidemment, le stream de Val. Je ne parlais que pour moi, personnellement, lundi. Mais demain, stream de Val de 10h à 13h. La Valtinale. Ou la Matival, encore mieux. Ouais, je trouve une interaction là. Ah, un marais. Je vais voir de sanité. S'il peut pas me le tuer en fin de tour, ça veut dire que il va devoir choisir entre soit Golos, soit embraser les portes, c'est ça? Les portes embrasées. La Gate Sablaze fait que 1 dégât. Effectivement, il n'a qu'une porte. Donc en plus, il peut pas gérer. Et ça arrive engagé. Ah, il a trouvé une porte pour le faire, mais il n'a pas Golos du coup. Ce qui me va. Et on met le 4. J'enlève 4 terrains. En même temps, il a énormément de terrains dans son pack. Je pense qu'il doit être à 28. Merci beaucoup à Gématignon pour le raid. Et je vous en prie, chers viewers de Gématignon, installez-vous confortablement. Il y en avait une autre. Ah, une interaction. Super. Ah, là, on meule les trucs bien. Bon, il y a deux golos, malheureusement. Mais... Sorti un petit peu mollasse après. Le type à tout, quoi. J'aurais bien aimé la détruire, mais je ne peux pas. Vu qu'il a une autre main, c'est plus fort, entre guillemets, de l'envoyer. Creeping Chill, alors est-ce que c'est le spell quand tu t'auto-meules qui met 3 et tu gagnes 3 points de vie? Ah, c'est un type à tout. Oui, je crois que j'avais vu ta liste Xomera de ton deck Meulasaurus, sauf qu'il me manquait des cartes à l'époque pour le crafter. Et du coup, le temps passant, bah, je n'ai pas eu l'occasion de crafter forcément ces cartes-là à ce moment-là. À moins que tu nous l'aies envoyé il y a peu de temps. Dans ce cas-là, là, je ne l'ai pas vu. Mais sinon, si c'est le deck que j'ai en tête, je crois que
Ouais, j'avais vu ça. Oula, il y a de la notif. Ah! J'aurais aimé que ce dernier stream se... Enfin, sur la Spark TV, hein, se passe dans de meilleures conditions. Voilà. Enfin, je veux dire que je pioche un peu mieux, un peu moins de terrain. Voilà. Je fais des trucs cool. Eh. Ah. Si j'avais 4 golos, je jouerais ça, je vous le dis. Hein. C'est Standard 2020 avec en classé, pardon. Au moins j'ai les mains libres. Ah bah ça meule un peu. Et il va mourir instantanément. Oula. Ça en fait du bruit. Oui, mais ça a déjà été annoncé par Budelux il y a 3 semaines, je crois, que la version Mac, on en a parlé dans une vidéo d'ailleurs, va être disponible cet hiver, une fois que le jeu sera disponible sur l'Epic Game Store. Je bloque, mais ça sert à rien. Teferi, sommet de la guilde. Oh, pour le coup, je manque. Cague un peu l'œuf. Tu es fait à la paix? Pas mal ça. Ils ont toujours un land à poser, hein. Gameplay profond. 3 landes sur les 4 derniers tours. On est bien. Ah ben, si j'avais des spells qui coûtaient cher, je pouvais les caster. Ouais. J'en ai pas, mais. Je reste parce que il met quand même du temps à me tuer. Et qu'il a quand même plus que 24 cartes. Il n'y a qu'un land de plus sur Kill Field of the Dead, ouais. Je sais pas si j'avais envie d'avoir cette info. Bah, j'ai 24 landes, hein, franchement, c'est pas déconnant, sachant que j'ai des spells qui vont jusqu'à 5. J'ai Jace, j'ai 2 Jace qui coûtent 3 mana bleus. Je pourrais cut un mana, je pense, mais pas beaucoup plus. Un seul spell à 5, ouais. Ah, Krasis. Bah vas-y. Je joue Krasis, ça me fait plaisir. Sinon, bah, je vais mono rouge cavalcade comme tout le monde a gagné. Hein. On peut aussi faire ça, hein. Je préfère le dire à l'adversaire. Quand le jeu se fout de votre gueule. Vous pouvez pas faire grand chose. Ok. Alors, est-ce que on peut en faire une? Mais là, je joue. On va essayer. Mule proof. C'est parti. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Genre. Ah, on voulait enlever un land. Est-ce que je peux modifier le deck? On va cutter une île. On va rajouter un petit contre. Ouais. C'est parti.
Pas juste un film. J'avoue. Gendarme L15. Ou gendarme. Non, je sais pas. Ok, c'est pas mal ça. Déjà, on a plus de cartes actives que dans la partie d'avant. Ça va tout changer ou pas? Si, ça va changer des trucs. Il est en mulligan déjà, gendarme. Bonjour! On est dans un double carn. Il va se passer quelque chose là dans cette game, les gars. Une île. On va mettre secret noyé. On le laisse tranquillou. On tend un petit peu la joue là. Alors, si t'as un effacement dépensé, vas-y. Ah, il n'y a pas son land. Très bien. Voilà, c'est voleur de sanité. Il jouerait un petit Dimir, monsieur? Yes! Vous avez vu? Le land, hein? Le land qui inverse la tendance, mais de suite. C'est impératif si on joue des cartes déjà, Miguel Velu. Le meilleur deck, on est d'accord, voilà. Ok, sur un land on est bien, et vu qu'on sait bien les piocher les landes, ça devrait le faire. Salut PS Martini. Allez. Un vrai magicien. Toujours. Allez, on y croit. J'en manque, mais bon, une main à deux landes, c'est quand même correct, quoi. Surtout avec des drops 2, 3, 4. Voilà. Tranquillou. J'espère que c'est un plume et qu'on va le rosser. Ça a l'air d'être un plume et c'est très très bon d'avoir me laissé 4 cartes. Pas de problème, je bloque très bien. Ah, on arrive sur le tour de plume. Donc on a quand même pas mal envie de garder ce contre. Ah, je vais mettre un choc. Parce que généralement les plumes, ils jouent pas plumes au tour 3. Ah, là pour le coup, j'ai enlevé 3 landes, je crois. Oh là là, c'est d'une lenteur l'animation. Ah non, j'ai enlevé 2 landes, Arcaniste et Collision. Pas mal. C'est rossé ou être rossé, hein, le dilemme. Sachant que lundi, donc pour le rosse-moi si tu peux, 20h sur... la chaîne Valet PL sur Twitch. La règle c'est qu'on s'affronte avec des decks rotation proof. Là je teste un petit peu en même temps le format, je me dis mais que vais-je faire? Vais-je jouer de la belle magie? Il va aller rosser à choc. Vais-je jouer de la belle magie en jouant Mardu Knight ou autre? Ou alors vais-je jouer un deck top tier pour essayer de l'emporter? Là mon but c'est pas de gagner contre Val, c'est vraiment... Je vais essayer de gagner, bien sûr, hein. Mais juste de jouer. Parce que je sais pas si vous avez vu au dernier, j'ai fait deux deaths alors que j'avais deux bonnes mains. J'ai juste pas pioché de land et c'était quand même très compliqué. Je sais pas pourquoi il a fait. Ah si, c'est pour le passer à 4 points. Ok, donc il a pas fait plume. Il a passé son tour à faire ça, c'est très bien. Malheureusement, Jay. Ah, Jace ne meurt pas s'il a pas de spell. Voilà, il aura forcément un spell. Eh, je sais, Kevin. Je sais, je sais. Je me dis peut-être qu'un Simic Duplicate, c'est pas mal. Simic Flash Rotation Proof, c'est pas mal aussi, hein. Mais bon, s'il joue le deck le plus logique,
pour raconter ça, qui jouerait, c'est-à-dire Bantrampe, il a des Teferi et jouer un deck avec plein de contres contre des Teferi, c'est vraiment pas bon. Berk. Mais non. On va mettre Jace pour tempo un peu. Il manque 40 cartes enlevées quoi. Ouais, mais s'il commence, c'est dur de contrer Teferi. Je sais pas pourquoi j'ai la chanson Coup de boule de Zidane dans la tête. Je sais pas d'où elle est apparue, mais elle est là. Peut-être parce qu'on parlait de se rosser. Qu'est-ce que vous me conseillerez de jouer pour contrer Bantrampe? Ouais, je crois que c'était ça, Natal, ouais. Le deck Zenedith Phoenix, c'est peut-être ça. Ok. Il a beaucoup de gestion pour vouloir de sanité, parce qu'il a très peu de bêtes à gérer, donc toutes ses gestions restent dans la main pour le jeu. Pour ça. Ok. Shock face. Ok, bah voilà. Ah, ça c'est bien. Il avait effectivement une gestion. Là, si top deck land, on est très très bien puisqu'on va pouvoir gérer sa 4-4. On enlève une plume, ok. Alors on peut se permettre du coup de faire ça. Et il y a top deck land, mais au moins on n'a pas pris de risque. On peut garder ça. Pendant qu'il y a un moustique qui me tourne autour. Et on va pouvoir gérer ça. Et un joueur, hop. On gagne des pèves, on a une 4-4. Ah franchement, on revient là. Le comeback, en fait c'est ça le point faible de plumes, c'est juste miaule. Sa tête de moustique. Je vais la voir, hein. S'il s'approche trop, il va goûter à ma lance. Ah! Fini, oui! J'espère que j'ai l'air ridicule. Alors ça se renvoie bien dans la main, ça. On va plus le détruire aussi, en fait. Allez, yes! Ah, je joue pas Kefnet, mais je pourrais. Ah, mais quoi que ça. J'ai pas beaucoup de sorts intéressants à copier avec Kefnet. Ben voilà. Il suffisait. C'est toujours plus drôle que détruire, ouais, on est d'accord. Tout ça pour 200 XP, ça valait le coup? Oui. Et on repart pour mieux, là. Invaincu. Tant qu'on a pioché autre chose que des landes, invaincu. Ouais, peut-être que je mettrai une petite Kefnet, je vais voir. Nog. Est-ce que vous pouvez voir l'adversaire à travers le trou de mon fauteuil? Merde, trop tard. Regardez. À chaque fois qu'on a gagné, on n'a pas perdu, les mecs. 100% des fois. Ah! Arrête, dis. Merde. Mais ça bloquera bien. Oh, jeu de méchanceté, monsieur. Pas gentil. Ok.
Il voit au moins, il doit se dire waouh. Je suis tombé contre le pire. Eh ouais. Spark Double, ouais, mais Jace. Enfin, la meilleure cible à copier, c'est Jace. Et Jace est pas ultime dans le pack. Il est sympa, mais. Il est pas incroyable. Pas de bloc, hein. Comme vous en doutez. Franchement, ça me va. Ah, je préfère mettre ça là. Quand même plus fort du volet. Oh, j'avais pas vu l'animation. Incroyable! La carcasse! Est-ce qu'on va pas mettre un petit coup là? À la maison. Ah ben ça c'est bien. Alors le problème de bloquer avec Judith, c'est qu'il peut me faire sacrifier le voleur de sanité. Et j'en ai pas envie. Donc j'ai accepté de prendre ça. Ok, bien joué. Il va me tuer les deux bêtes. Et ben moi je vais rituel dessus. Ouais, j'aurais pu tuer prêtresse, hein, mais je sais que je vais faire ça, donc. Ah, mais il allait pas activer la prêtresse en réponse, je pense. Il allait juste bloquer, je prenais 1. Avec le point de dégâts du truc, il me mettait 1. Et ensuite, il pouvait sacrifier. Enfin, il avait juste à poser un truc pour sacrifier, quoi. On va jouer Porte de la Guilde. Rituel de Suigo. Ah, j'aimerais qu'il me joue plusieurs carcasses dans le même tour. Si je bloquais. En fait, s'il si saquait en réponse, oui, je pouvais, mais il allait pas le faire. Enfin, je suppose. Je peux pas tuer le chevalier là. Malheureusement. Oui, je devrais jouer Marigot plutôt que porte. Et je sais plus pourquoi j'avais mis des portes à l'époque. Je croyais que ça avait un intérêt. Voilà, je vais enlever des trucs et reprendre le cimetière, ça c'est bien. Non, vaut mieux jouer des Marigots, effectivement. Ah, peut-être qu'il n'y avait pas encore, effectivement, quand j'ai fait la version. Ça doit être pour ça. Attention, hein, si tu poses pas de land. Ah ben non, il passe 2-3. Ok. Ah, je suis obligé d'avoir. Ah merde. Ah, bonne pioche ça. Ah. Ah non, bonne pioche, il manque un mana bleu.
Ah, James nous met au fond. Enfin, il nous a énormément agressé l'adversaire, mais même avec des Vras et tout, ça suffisait pas quoi, il faisait trop de value. Et ben, elle est partie. Chevalier de la Légion, genre meilleure carte ever. Je relance. Après cette game, j'irai faire une petite pause, chercher de quoi boire. Franchement, c'est très très fort hein, comme carte. Van Fanel. Ok. Il me semble, hein, Nubes. Vous vous rappelez ce qu'il jouait, mais je ne me rappelle pas du tout. Il y a une chance sur deux qui joue au fil. Une chance sur deux qui joue Mono Red Calamité. Et une chance sur deux qui joue autre chose. Va savoir de suite, de toute façon. Plume. Je vais enlever ça parce que. Oh, très bien. Voilà, je vais dire si je pioche un land, je pourrais contrer plume. Et ça, je peux le gérer avec mon cri. Donc c'est très bien. Voilà, pour l'instant, non, mais. J'osais espérer que je piocherais un mana noir un jour. Oui, c'est lui-même son brop. Je vais me permettre de passer encore une fois. Parce que j'ai la perspicacité du chimiste qui est un bon play. Ah, si je n'ai pas besoin d'effondrer les pensées. Je vais contrer ça parce que je ne le tue pas avec cri. Là, je sais que il lui manque des landes. Donc je peux me permettre de faire ça et d'espérer qu'il joue plume sans trouver son quatrième land. Après, il faut qu'il ait plume, qu'il top deck un land et qu'il ait de quoi protéger. Il top deck un land et la plume. Est-ce qu'il y a de quoi protéger en plus? On va voir ça. On tente, hein. À ton choix. 13 cartes. C'est bon. Il n'y a pas de quoi protéger. On gère plus, on le met le 4, on gagne 4 points de vie, on met une 4-4. Ça, c'est vraiment bien comme spell. Hein. Il y a eu le temps de faire un peu de value avec, mais pas folichon, quoi. Salut Ziobrick. Et effectivement, on joue Mull dans l'event. Et franchement, ça se passe pas trop mal. Hein. Je trouve pas ça dégueu. Je crois que la liste, c'est pas optimale, à mon avis. Je pourrais l'améliorer, mais là, je sais pas comment. Est-ce que je pourrais avoir un truc à deux à jouer en main phase? Non, il y aurait que le mur. Donc je piocherai en fin de tour. J'aimerais même chercher un Jace. Parfait.
J'ai plutôt effacé là. J'ai enlevé ça parce que ça tue mon voleur de sanité. Et je peux garder un secret noyé. À vous de jouer. Oui, bonjour. Voilà, ces deux autres spells, ils sont inutiles tant qu'il a pas de bête. Alors que Collision Colosse, déjà ça met beaucoup de points. Sur un 2 de célérité, ça met 7 points. Et 6 points, une créa avec le vol, j'étais pas fan. Hop là, une plume qui s'en va. Petit marais, secret noyé. Voleur de sanité. Et on peut encore mépris sur le tyran pour le protéger s'il faut. Salut Dagueta. Ou Dageta, je ne sais pas. J'ai crafté la Chandra, c'est belle magie. Ah! C'est forcément belle magie, la Tribal Chandra. Vous allez bientôt en voir un peu plus de ce Tribal Chandra et ça vous fera pas rêver, mais ça vous fera rire. Avec ce deck, tu parles du deck Meul ou pas? Avec le deck Meul, on a gagné 2-0, et on a perdu 2 fois, on est à 2-2 là actuellement. T'as très agaçant ce garçon. Je peux prendre une créa, ça pour mettre un jeton, c'est bien ça. Ou deux mrises en bouche. Ça c'est bien. Combien de cartes? 27. Ça avance tranquille ou? On a mépris. Encore up ou perspicacité en défaussant le marais. J'adore vos discussions. À bloquer, comme ça s'il donne la protec, on fait ça, et s'il en a une deuxième en main, bah, il aurait utilisé les deux pour mettre 5. Là, vaut mieux renvoyer dans la main parce qu'il peut jouer des sorts qui rendent indestructibles, donc parfait. Salut Yanaïs. Trop fort ce deck. Trop fort. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est l'anti-plume. Ça fait pas deux plumes combat avec ça? Waouh, on s'en cague. Ok, bah écoutez, je vous laisse 2 minutes, le temps d'aller chercher de l'eau pour mon outre. Il est sympa ce dessin. Enfin, lui, je sais pas, mais ça c'est joli. Oui. Ça, cette gamme de couleurs, pardon. Bon. 2-1 contre plume. Ah, franchement, elle est pas mal. Hein. Bah, je mets ma decklist. Attendez. Où est-ce qu'on est là? On est où? Mule proof. Allô? Voilà. Petite decklist. J'enlève le chat pour que vous puissiez bien voir les cartes. Chat de boxe. Hop là. Et voilà, à tout de suite. Je reviens. Bah du coup, je vous laisse cet écran-là. Ouais.
Heureux. J'ai mangé un petit chamallow, ça m'a fait plaisir. Je remets le chat. Et voilà, c'est parti. On dirait Littlefinger. Écoute, je prends. On se rixe après. Alors, qui veut se rixer? Qui veut que je termine, que je continue l'event? Bon, déjà, je vais faire juste la dernière game de l'event. Avec ce deck, parce qu'on est à une victoire. Il faut voir si on fait 2 fois 2-0 ou pas. Et après, bah, soit je continue en draft M20. En draft M20. En événement M20. Enfin 2020. Blablabla. Sinon, je vous rixe. Vous savez quoi? Dans tous les cas, je vais affronter Nubest. Oh, je compte card. Je vais affronter Nubest pour la dernière game qui aura l'air sur ce stream. Allez. Tu veux me rixer avec Nexus? Alors je peux pas le jouer si tu souhaites que je le joue. Par contre, toi, tu peux le jouer. Rosnou, si tu peux. Je vais essayer. Ah, j'ai pas beaucoup de decks standard en vrai. Intéressant. Il est bien triste. Ah, c'est d'habitude, c'est moi qui fais ça. Alors j'ai essayé ce deck. Ça s'est pas super bien passé parce que j'ai fait genre 6 games. J'ai sans mentir. Hein, c'est votre ramage. Alors c'est pas ça. J'ai fait 6 games. J'ai fait 5 mana full, une death. Donc en fait, je pense peut-être que le deck est fort, hein, mais j'ai pas pu. J'ai joué avec ma main de départ sur 5 games, honnêtement. Et une, bah, j'ai manqué des landes. Donc ça a fait juste prout. Je s'appelle prout. Okay. Je suis en top deckland, ça va. Ah, top deckland, mais engagé. Ouais, j'ai l'impression que j'ai fait, c'est un peu ça. Ils sont taquins ces landes. Hein. Là, je peux mettre Jace, il devrait être assez safe. Ok. Ouais, le mec il exile cash quoi. Pas mal. On devrait pouvoir refaire un coup d'Ashiok normalement. Ah, vu que j'ai rien de perspicacité, je m'en fiche un peu qu'il fasse ça. Sauf s'il m'en refaire dans le même tour. On pourrait splash blanc pour Kaya. Hein. Ah bon, on le rempioche. Hein. Mince, j'aurais dû jouer ça d'abord. Quoique là, je vais peut-être aller chercher des réponses. Non, je vais aller chercher. Je vais utiliser ça. En vrai, si je joue pas de Red Horde, que j'inverse l'ordre, c'est pas très grave. Ça c'est bien, et ça c'est bien. Ben, tu cartes déjà. Je pense que là c'est ça qui est utilisé tout de suite. Il va peut-être mépris sur mon tyran pour le reprendre. Ouais.
Bon, je le tue pas, mais j'ai quand même la 4-4, les 4 points de vie et la meule, donc c'est pas mal. Ah non, j'ai pas gagné 4 points de vie, je crois. Parce que j'ai pas infligé les blessures. Oui, il faut que je change les landes, effectivement. Kaya, elle mettrait combien, hein? Elle mettrait 15, hein? On va l'avoir lui, je vous le dis. On va prendre un rituel de fuite et un contre. La chioque qui devrait normalement faire deux coups. Ok, plus que 9K dans sa bibliothèque. Il va piocher, il sera à 8. Je pourrais refaire un Chioc, il sera à 4. Ouais, je pense qu'on a gagné. Salut Titi Ben. Ah, bien joué ça. Un peu tard, mais bien joué. On a ça qui va l'empêcher vraiment de développer quelque chose. Enfin, l'empêcher. Plus ou moins. Ah, bah, je crois qu'on a gagné là dans le tour, non? Ouais. Le top deck. Ah, il avait une Dread Horde, ouais, à la fin. Bien joué, voilà. C'est bien. Espère à la poubelle, hein. N'essayez pas de faire des trucs, voilà, c'est nul. Je crois que c'est un des decks avec lequel j'ai un des meilleurs win rate, Mule. Ce qui est un peu triste, mais très bien en même temps. On n'est pas à 4-1 avec ce deck? Ou 4-2? Ouais, je crois qu'on a 4-2. 4-2, mais on a joué contre un adversaire retour la première et on a fait une full, donc j'ai envie de dire 4,5-2. Ok, alors est-ce que vous voulez un petit peu vous rixer? Sachant que j'affronterai Noobest, donc je finis à 20h30. Je pense qu'on peut lancer la game vers 20h10, à peu près. Donc là, on a une bonne demi-heure de rixage. Rixon, oui, allez. Il y a au moins deux personnes qui sont chaudes. Hop. Du BO1 parce qu'un BO3 ça risque de prendre tout le temps. En fait, si je fais du BO3, je vais affronter, je pense, qu'une personne. Sur d'autres streams, c'est promis, on fera du BO3. Quand on fait de ça toute la pendant tout le stream, là le problème c'est que les gens seront un petit peu déçus sinon, à mon avis, quoi. Alors, vous allez taper un petit mot comme d'habitude. Et là, des gens vont écrire un petit mot comme d'habitude. Quel sera le mot? Le mot sera dernier stream tout attaché. Hop. Je vous le mets là. Tapez. Merci, Nobest. Tapez dernier stream pour participer au tirage au sort, du coup, afin de gagner un ticket d'entrée pour le parc Roseland. Est-ce que vous voulez prendre un deck de... Bah, je vais voir suivant qui gagne et je lui demanderai les modalités qu'il préfère. Parce qu'on peut aussi se rixer avec uniquement des decks rotation proof. C'est bon, j'ai les bons tuyaux. C'est toi qui as le bon code. On a actuellement 11 personnes inscrites. Avec un max de personnes sub d'ailleurs. Salut Kyuga. Qu'est-ce que c'est une grâce de Gaïa? C'est le truc qui... C'est bénédiction de Gaïa, je crois, que tu veux dire, qui remélange le cimetière bibliothèque. Alors, ça me fait chier, oui et non, parce que j'ai 4 Hachéok qui exilent le cimetière, donc si j'ai pas eu d'Hachéok et que j'ai quand même beaucoup meulé, oui, c'est très dommage pour moi. Par contre, logiquement, j'ai toujours un Hachéok qui traîne. Ah, on est passé à 0 viewer. Bah non, je vous en prie, restez. Rowlet et c'est Schizo qui gagne. Donc je t'en prie, mets ton petit code afin que nous affrontions.
Je te mets le mien. Hop. Et dis-moi si tu veux jouer en standard ou bien en standard 2020. Donc rotation proof. Est-ce que tu es là, Gizkizo? Ah, il est là. Hop. Ça fait plaisir ce que vous faites. Alors, est-ce que Gizkizo, tu es là pour me dire quel genre de deck tu comptes jouer? Enfin, juste si c'est du standard tout court, du standard 2020. Il est peut-être déjà parti. Ah, standard tout court, il est là. Ok. Je vais jouer ça, tiens, c'était rigolo. Propre un code main. Ouais. Et pour PL, allez, allez. Oula, sa main clignote. Dommage. J'ai essayé. Ok. Est-ce que ce serait une version de Phoenix, peut-être? Ça c'est pas mal en fait. Grixis Phoenix, il y a moyen. J'ai un peu peur de ce qu'il peut faire. Ok, je suis un peu déçu du coup. J'ai loupé 3 points. Je ressemble à un Dalton. Je crois qu'on m'a tout fait. Salut Karn. C'est un plaisir.
Beaucoup de landes. Hein. Bonsoir Caredas. Je connaissais pas ça, Chafail. Ok. Avec un peu de chance, il joue pas de basique. Merde, il en joue. Il va juste surveiller, hein, du coup. Je crois qu'on l'a gagné, là. Yes! Félicitations à Skiz. Je crois que c'était Guy Skizo, ton pseudo Twitch. Félicitations. C'est bien haut, oh, niveau 72 quand même. Hein. On n'est pas loin du chat. Hein. Allez, on est reparti pour tirer au sort. Quelqu'un. Ce sera pas le même mot. Ce sera. Hop, voilà. Taper, pas le même mot. Tout attaché. Pour participer au giveaway, je me fais rire tout seul, c'est incroyable. GG, Guizquizo, et merci à toi pour la partie. La dernière, c'est nos bests, mais c'est. Ah, j'ai dit la dernière partie, non, je me suis trompé. La dernière partie, ce sera nos bests, mais ce sera dans 20 minutes à peu près. Ça va devenir une compétition, The Obrick, là, attention. J'éclate tout avec Mardou. Le même antifer. Alors je vois que plus personne ne s'inscrit. Pelle Rose voit son problème. Ah bien entendu. Et c'est Bof GS qui est tiré au sort. Est-ce que Bof GS est toujours là? Il est où mon jeu? Ah il est là. Damn. Ah il est là. Paf, envoie-moi ton pseudal, je t'envoie le mien. Ah ouais, il n'y a pas un deck neige. C'est compliqué. Faire une petite modif pendant que j'y pense. Lugubre. On PC galère, il n'y a pas de problème. Est-ce que je t'attends ou est-ce que le temps de. Que tu allumes ton PC et tout, je joue contre quelqu'un et je joue contre toi juste après. Sinon, on patiente, on est bien. Ok, bon, voilà, je vais te laisser. Et pas fatigué. Je vais te laisser allumer le PC tranquillou, je vais tirer quelqu'un d'autre au sort. Sort. Et c'est Tartino Miel qui gagne. Tartino Miel, es-tu là? On va se rosser et ensuite j'affronterai Bof GS. Je crois. Qu'est-ce qu'on pense comme ça? Et ensuite, nos bests. À moins que ça aille très très vite pour les deux games. En quoi veux-tu m'affronter, Tartino Miel? En standard ou en standard 2020?
Standard 2020, pas de souci. Ah, c'est tout à fait OK pour moi. J'ai juste besoin de ton pseudo, le mien est un peu plus haut dans le chat. Oui, mais j'ai besoin de ton code Tarsinomiel. Quand tu vas dans défi, il faut que tu cliques sur là, tu vois, ton pseudo qui apparaît, tu cliques, ça va le coller, va le copier, pardon, dans ton presse-papier, et ensuite tu le mets dans le chat, s'il te plaît. Ah, nickel, merci beaucoup. Donc, standard 2020. On va essayer. Avec Cavalcade, je confirme, c'est très très fort. Je n'ai pas joué personnellement, mais j'ai beaucoup joué contre. C'est lourd, quoi. Salut Dalgan. Le sac sans fond. L'impression qu'il y a un plus gros chat. Ouais, je pense, parce que c'est ce que j'ai fait dans le pack Chandra Waterproof. Oh, ces combos, vous avez vu ça? Bien joué. Allô? Et du coup, je peux payer 1. Donc, je vais le faire. Je copie, j'ai 4 mana. Et je fais ça. C'est pas mal, hein? Meilleur deck? Salut Beck92, merci d'être passé sur Twitch. J'espère que tu apprécieras autant l'expérience Twitch que YouTube. Suite à un de vos streams, j'ai voulu regarder le trailer entre Love and Rain. Et puis Prince de Lune. Ça ressemble d'Algran, mais c'est bien ça. Là, je suis embêté. Parce que je me dis, si je paye pas, je peux avoir Chandra. À 6, enfin je peux avoir un land pour le Chandra à 6. Si je paye, j'ai plus de chances d'avoir des bons trucs. Ah, je vais payer un quand même.
Hop là, Chandra. On va mettre deux marqueurs loyauté sur mes deux Chandra. Et c'est très bien. Alors, il est très bien le sac Wenobe, je sais pas si j'ai répondu à ton commentaire. Par contre, vous verrez dans la vidéo qui sort vendredi, normalement. Ouais, c'est ça vendredi. Qu'il y a un problème avec le sac sans fond actuellement sur Arena. Je crois qu'il y a un bug. À moins qu'on soit passé à côté de quelque chose, mais il me semble qu'il y a effectivement un bug. Qu'on a pris en vidéo. Ah, je fais 2. Lol. Je peux moins 7 pour coller 7 blessures au monsieur, puis je fais des cartes, mais. Je crois que j'ai actuellement juste plus 1. Il faut trouver un land sur les deux prochaines cartes, ça se fait en vrai. Allez. Voilà, parfait. Et là, vous êtes bien. Ça fait beaucoup de Madame du Feu. C'est le but. Oh, Cavalier des Bourrasques. Ah, c'est un Sultai contrôle. Très très beau ce deck. Ah, j'aime beaucoup. Là, j'ai la spatialisation dans le casque, du coup j'entends les vagues qui font ça. Qui vont un peu n'importe où. Ah, c'est incroyable. Bah, si vous aimez la belle magie, là j'en fais, hein. Est-ce que j'ai un. Non, j'ai pas de rituel à jouer. Faire un petit moins 7. Là-dessus. Et je vais payer 1 parce que c'est pas plus cher de regarder les 14 cartes du dessus de ma bibliothèque. Ça remet pas 7 par contre, hein, mais. Ça, c'est pas grave. Déjà, on va jouer une montagne. On a Sarkhan qui est bien. On a rayonnement répétitif. On a quoi d'autre? On a des chats. Ah, on a une Chandra à 4. C'est pas mal ça. On peut hop, faire ça. On a 6 mana. On peut lui mettre énormément d'emblèmes, sachant qu'il nous met 9. Normalement, il va pas nous tuer. Et je crois que c'est le play. Hein. Ou j'ai de l'étal avec Chandra ou pas? Avec Sarkhan, pendant je fais plus 1, je mets. Non, je mets 8. On va casser ça parce que c'est rigolo. Mince. J'ai mis clic. Je voulais mettre les marqueurs sur tout. C'est pas grave. On va quand même lui mettre 3. Mon ex de Chandra pour qu'il le poney, Sarkhan.
Ouais, mais je me doutais que j'avais les talents, mais j'avais envie vraiment de faire de la belle magie à crayonnement répétitif. Désolé. J'avais pas calculé, mais je me suis dit que ça passait certainement. Si on meurt pas dans ce tour-là, normalement c'est bon. Salut Arleron. Ugin l'ineffable, qui est très beau. Emblème hache de lave, tous les deux. Au début de chacun de vos entretiens, prenez une hache de lave dans la tête. Bien joué. Allez, comme je vais le tuer avec panache. Vérifie quand même. Ah mais non, c'est pas pioché, c'est exilé de toute façon, donc ça change rien. Bravissimo! Félicitations Tartino Miala, c'était une très belle game, avec un très beau deck. Eh ben c'est bien! Est-ce que Box est là? Est-ce que Box est là? Est-ce que... Enfin, bof, GS, pardon. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt? Oh là là, il envoie direct le tag. Alors est-ce que tu as toujours mon tag que je t'ai envoyé tout à l'heure? Sinon je te le renvoie. Oula. Est-ce que tu souhaites m'affronter en standard 2020 ou en standard tout court? Salut pour 85. Merci. Ah, je veux bien. Je t'envoie mon tag. Standard tout court. Allez, on est parti. Pour le panache. Ah oui, Broodmaster, effectivement, certainement en lien avec StarCraft. Ah bah ça fait plaisir, Tartino Miel, on se retrouve très prochainement. Oui. Oula. J'aime pas trop quand ça fait ça là. Un marais. Une plaine, pardon. Ah, j'ai pas changé les plaines. Heureusement qu'elles sont très belles. Ah, vous avez vu, il y a un petit dragon qui a dit bonjour. Et là, si on top deck Chant de Lotus, on est bien. Scapeshift ou Nexus? Plutôt Scapeshift du coup. Ou juste un band qui jouerait Mémorial au génie. Ça existe aussi. Oh, j'ai pas envie de tuer TF en vrai là. On fiche un peu. Nubes qui est outré. Je suis pas sûr que ce soit un compliment, mais bon, je vais prendre ça comme un compliment, Geronimo. C'est vrai que là, maintenant que tu le dis, il y a un air de Pino simple flic. En même temps, dès que vous avez une moustache, vous avez un air de toutes les personnes qui ont une moustache. Les gens n'ont pas de respect. Ah, on peut faire un trick sympa là.
Et là, je peux sacrifier ça, et je ramène un terrain à la vie. Et l'officiant de cruel, ouais, c'est pas mal. Et on a plein de marées en main, bon, on va prendre le marais parce qu'il est plus joli. Ce sera bon de fin 2020. Je m'en signe en fin de tour, ok. Il y a le petit Field of the Dead qui traîne là. Je te conseillerais de commencer à faire les tours de terrain, l'OBS, parce que ça va bientôt être à toi. Exactement, Aztec. Bande hanche, ce serait bien stylé, ça. Genre, bien, bien stylé. Ok. Et c'est pas mal, hein. Dans le coin à gauche. Et je n'avais pas vu cette demande pour 85. Écoute, tout est possible. Alors, il y a une vidéo qui existe, Jeffel, tuto les couleurs, et à la fin, on parle de toutes les alliances de couleurs. C'est pas la classe, ça? Le dragon qui n'a pas été réanimé, donc s'il me le boune, c'est pas grave. Heureusement qu'on a ça dans la main. Sinon, ouais. On peut aussi faire... Ah, il est plus là. Mince. J'avais une photo avec les associations de couleurs et leurs noms, mais je l'ai plus. Alors, il est où mon jeu? On va avoir plein de jetons quand même. Donc, est-ce qu'il en peut plus? Ouf, attendez. Écoutez bien cette rigueur.
41. Oh, dans le même tour, il me fait Vras et Escape Shift. Propre. Bah Mardu ça peut très mal battre, hein. Mais le Mardu que je joue, ça le bat pas du tout. Je sais pas si j'ai des Legends End. On fait ça quand même, hein. Le beau jeu. Mince. J'aurais dû jouer ça avant. Bref. Oh putain. Il y a actuellement une tarente énorme dans mon bureau. Elle vient de surgir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, le nom de la tarente? Je vais l'appeler Scape Shift. Est-ce que Scape Shift, s'il te plaît, tu peux passer par cette fenêtre et ne jamais revenir? Voilà, là tu montes le long du mur. Mais ça m'arrange pas du tout en fait. Ouais, mais il faut vraiment un bon coup de tatane parce qu'elle est vraiment de belle taille. Tu nous la montres? Elle est pas assez intime, ces griffes, enfin. En fait, je panique à moitié parce que j'ai surtout envie de savoir où elle va aller. Et un coup de chaise. Comme ça. Là. Parce que là, elle va vers des câbles. Donc ça me. Ça me met pas bien du tout là. Prends-la dans ta main, mais vous savez à quelle vitesse ça va, ce bordel là? Passe un moment incroyable pour cette tête dans les streams. Bref, c'est parti. Je dois encore avoir Nubest. Ah, je ne l'ai pas. Alors, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me donner ton nom? Je sais que c'est Oizo. Je me rappelle plus du code. Ah, voilà. Mighty. Ah, j'ai pas Nexus. Et ce serait un affront de jouer ça contre Nubest. Je vais la garder du coin de l'œil, du coup. Hop là. Est-ce que tu es prêt, Nubest? Je vais prendre ce silence pour un oui. C'est parti. Non, c'est pas une araignée, c'est une tarente. Pas une tarentule. Hein. Ah, mais peut-être que c'est un nom du sud, ça, je sais pas. En gros, c'est un lézard. Un gecko. Non, un gecko, c'est tout petit. Un lézard. Je vais la prendre en photo et je vous la posterai. Casse-toi. Ah, elle fuit pendant que je la prends en photo. Oh là là, elle va plutôt vers chez moi et pas vers l'extérieur. Ah, c'est que dans le sud, ouais. Ah, c'est pas une tarentule, c'est un lézard, putain. Il va bientôt être à portée de caméra. Putain, parce qu'en fait, suivant où il va, il peut faire son nid dans, genre dans le placard, etc. Mon Dieu, je suis en sueur. Bon, bah, je le vois plus. J'espère que d'un coup il va pas pop. Il y a un moustique maintenant. Super. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais gosse. Dans le garage de mes parents, il y a une tarente, un lézard du coup qui m'est tombé dessus. Et je regarde comme ça, je la vois et j'ai hurlé. Ah! Je crois que je veux ça, mais pas ça. Le lézard va manger moustique. Bah, si ça se passe comme ça, oui. C'est Jumanji le live. Vous me dites hein, si vous le voyez passer sur le fond vert. Mais ce serait marrant qu'il fasse le tour et que du coup je puisse vous le montrer.
Oh, c'est pas mal ce qu'il fait, Anubis. Lance les DPL. Double 6. Pascal le lézard? Je sais pas. Je me demande comment je vais réagir, quoi. Alors, je préfère que ce soit un lézard qu'une araignée, par contre, parce que je suis arachnophobe, donc. Je suis un peu en sueur, tu vois, si c'est une araignée. Bon, si je fais ça, on va pas draw, parce qu'il y a, il y a la méchante sorcière là, mais. Du coup, on va pas faire ça. Et ça. Ah, c'est dans réponse, je l'avais pas. Putain, je me rappelle même plus comment on joue ce deck. Voilà. Déjà, on a maîtrise de la liche. S'il joue des blasts, c'est vraiment le pire par contre. Je check, hein. Pas de nouvelles pour l'instant. Si on entend les crier, ça veut dire qu'il a traversé le placard et atterri dans ma chambre et fait la connaissance de ma compagne. La bestiole, bah, je vais prendre mon téléphone en exemple. Si on enlève cette partie-là, voilà, là c'est la taille du lézard là, qui est entré chez moi. Ce que vous voyez de visible de mon téléphone. C'est quoi sur ton épaule? Arrêtez. Sur mon crâne. Ah, je le sentirai quand même, c'est sur le crâne. C'est la réincarnation de Gueltas. Franchement, belle taille. Hein. Après, je compte la queue, hein, mais. Ah bah merci Goethe, ça fait très plaisir ce commentaire. Et c'est pour ça que je suis streamer, c'est pour avoir ce genre de remarques complètement gratuitement comme ça. Pouf, comme une flèche tirée. Salut Gigi, on te suit. C'est bien connu. Mais non, là, justement, la bête en question n'a pas une très grosse queue. Ah, il est plutôt marron, le lézard. Tu as pris un petit côté mafioso, c'est sympa. Et ben, 50% des gens sont contents. 50% des gens me trash talk. Ok. J'ai l'impression un peu de me faire sniper quand même. Hein. Merci Kawa. Du coup, je pense que tu fais partie des 50% des gens qui sont contre cette moustache. Bah, je peux rien faire, les mecs. C'est bien, hein? C'est bien. Et je vais me faire juste méga meule. J'ai
J'ai vraiment l'impression que le monsieur a, hein, il savait un petit peu, il savait même beaucoup. Bah, c'est moi. Jolie photo, Kawa. N'inquiétez pas, vous verrez plus la diff. La prochaine fois que vous allez me voir, normalement. Ça aura disparu. Enfin, ce sera fondu dans la masse. En fait, ce deck existait quand Narset n'existait pas. Donc, si je peux pas piocher, je peux pas faire grand-chose. Je vais quand même faire une hydre. Hein. Sait-on jamais? J'en ai pas, je crois. Ouais, j'ai qu'une forêt. Passe un très mauvais moment actuellement là. Entre la menace fantôme qui est dans cette pièce et ce que je suis en train de me prendre. Elle n'est pas apparue. Bon, je crois qu'on peut se dire au revoir sur cette game. Je sais pas si j'ai Elder Spell. Je crois pas, non. Bah logiquement non. On peut dire bien joué. En même temps, il a fait 7 tour 3. Moi, j'ai pas de créature. Voilà. On tente, hein. Ah oui, je peux pas aller chercher. Et l'orme. Et j'ai pas de top deck de land. Donc je peux faire ça, reprendre le spell, mais je peux pas le rejouer. Et voilà. Pourquoi sur certaines miniatures je ressemble à Jason Momoa? Attends, on parle bien de la même personne? Tu trouves? Écoute, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, mais. Ah, avec plein de cheveux et une barbe, peut-être. Et genre 100 kilos de plus. Avec le bouc. Eh bah écoute, merci, Koryushin, ça fait plaisir. Profites-en pour concéder. Et quand je fais une grimace, et quand on est mardi, et quand c'est la pleine lune. En fait, tu ressembles pas souvent. Salut. Félicitations, Loubest. Ah, on me l'a souvent dit ça, Eltanéos. GG Loubest, c'était une belle game. J'ai été complètement détruit par Narset. Ah, c'était énorme. Félicitations, tu deviens le champion de ce stream. Donc tu l'es encore pendant au moins 1 minute jusqu'à la fin de ce créneau. Donc profites-en bien. Ouais, tu pourras te la péter un peu pendant la minute qui suit. Ah, donc Kawa, est-ce que tu es là? Normalement, Kawa est là. Enfin, est-ce que tu es prêt, surtout? Il est toujours là. Qu'est-ce que tu nous as concocté un petit peu, là, Kawa, pour le stream de ce soir et celui de demain? Est-ce que c'est une surprise ou est-ce que tu peux nous le dire? Je suis moi-même curieux. Rien du tout. J'ai préparé rien. Il a bien fait Jace après Ashioki qui sort de exilé. Ah, ce soir, stream à la cool, et demain, j'aurai de l'inédit. Eh ben écoute, j'ai hâte de voir ça.
Alors qu'il y avait un truc qui récupérait sur du cimetière. Effectivement. Du coup, je vais vous laisser en compagnie de Kawa Kawa pour ce stream. C'était mon dernier stream sur Aspark TV. C'était un honneur de le passer en votre compagnie, les viewers. Et en plus de finir avec un duel contre Noobes. Incroyable. Quelle meilleure façon de conclure un stream. Merci pour votre soutien encore une fois. L'aventure ne s'arrête pas là. Vous pourrez nous retrouver sur la chaîne Twitch que j'avais préparée normalement dans un coin. Hop là. Hop là. Alors normalement, c'est juste ici. Si vous voulez nous suivre sur Twitch avec Val, c'est là qu'on sera en live à partir du coup de lundi prochain. Pour l'Orosmois, si tu peux, à partir de 20h. N'hésitez pas à venir, ça va être très très cool hein, avec des petits cadeaux à gagner, etc. Comme d'habitude, on se rose en rotation proof avec les vieux badges, etc. Qui reviennent, ouais. Je vous fais des bisous. Enfin, Val aussi vous ferait des bisous s'il était là, mais il n'est pas là. Merci vraiment pour tous ces mois, pour tous ces streams sur la Spark TV en votre compagnie. J'ai un mini discours, hein, après je vous laisse avec K, vous inquiétez pas. Bon appétit Nobest et félicitations encore une fois. Ça a été vraiment très très cool tous ces 5 beaux mois. Et voilà, comme le dit Nobest. Aucune tristesse, ne vous inquiétez pas, on repart. Je suis sur notre ancienne chaîne, comme l'ancienne. Un petit brin de nostalgie presque. Pour reprendre avec les vieux assets, les vieux sons, etc. Peut-être que j'en mettrai des nouveaux, enfin on verra ça en temps et en heure. En tout cas, merci énormément, ça a fait plaisir. N'hésitez pas à full spam les émotes de la Spark et des petits cœurs violets parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et merci aussi à tous les acteurs de la Spark, bien évidemment. Val, mon comparse, Kawa, Kina, Davido, Maybe, Toumaï et Magic C'est Chic, que vous retrouvez, donc je le redis encore une fois, sur notre chaîne tous les mercredis, donc sur la chaîne Valépiel, la chaîne que je viens de mettre. Non, ce n'est pas un divorce, t'inquiète pas, Dagueta. Et puis voilà, merci énormément. Je vous laisse du coup directement avec Kawa, pas de coupure pub. Donc Kawa, si jamais tu t'attendais à avoir 3 minutes, bah, tu ne les as pas, c'est tout de suite. Et voilà, merci beaucoup pour tous ces émotes qui font énormément plaisir, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao ciao, à lundi! Ah!